Salut tout le monde. Une autre fois encore, c'est Zamou. J'ai Faraldo, ingénieur avec Wilfred Dayana qui est content d'entrer la CAO pour nous présenter une rubrique sur l'information pour deux connaître, façon pour vivre, façon pour comporter dans la société, façon pour comporter dans tout ça qu'on va entreprendre. Jeudi, collègue nous, Wilfred Dayana, vient avec lui, ingénieur Félix, qui va parler nous un peu sur la construction métallique. Bonne audition. Nous avons avec nous l'ingénieur Félix Floristal qui va parler de nous en long et en large de construction métallique. Bonsoir, ingénieur Félix. Bonsoir, Daina. Bonsoir, cher internaute. Bonsoir. Donc, alors, nous avons connu, et pour les gens qui suivent nous là, c'est qui ça, construction métallique là, en soi? Bon, bonsoir et merci pour vos questions. Construction métallique là, c'est un domaine de la construction qui a un rapport à génie civil. C'est-à-dire d'étudier la construction qui est faite, plus particulièrement en métal ou bien en acier. Merci. Moi, j'aimerais connaître qui avantage la construction métallique a gagné par rapport avec l'autre construction nous fait en béton. Bon, généralement, ça c'est là où je vous ai demandé de construire du parallèle entre la construction en béton ou du moins sa construction en métallique. Ça dit béton directement, nous connaissons l'effet de l'électricité très bien en compression, non pas en traction. Ça fait que nous avons l'intervention de l'acier dans la construction en béton. Bon, on a voté dans le cadre noir plus particulièrement. Mais le balai de construction métallique, c'est-à-dire c'est une construction avec le temps, il y a une qui mieux répondre via ensemble de comme stratégies qui répondent surtout par rapport à événements naturels qui répondent. C'est-à-dire ça. Même pour une construction en construction métallique, il résiste bien, c'est-à-dire il résiste mieux au feu. En plus, il permet donc d'avoir une portée de grande valeur. En plus, il permet au fond réaménagement ultérieur très facile. C'est-à-dire que ça, si nous faisons construction en béton, nous devons faire répartition chambio d'abord. Là, vraiment difficile, vous avez corrigé. Si vous avez un passé, vous avez réaménagé l'espace. Ça. Mais en construction métallique, là, c'est vraiment facile. C'est vraiment que vous montez par rapport à travers ou bien panneau, vous pouvez différencier et puis déboulonner, activer et puis. Pour faire réaménagement au besoin. Ok. Ingénieur Félix, nous avons connu qui différents types de sections sont utilisées dans la construction métallique. Bon, différents types de sections sont utilisées dans la construction métallique, mais un petit peu variés. Même dit varié, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes. Il y a une section en construction métallique qui est une section circulaire, il y a une section rectangulaire, il y a une section carrée, il y a une section en U, une section en C, une section en I, une section en H. C'est-à-dire ces différents types de sections sont utilisés dépendamment du type de construction de importance que ça que vous-même vous pouvez réaliser. Dans le cas de ça, même tout essayer d'avancer plus large, c'est-à-dire la construction métallique là, depuis Vinavel, nous avons parlé de bâtiments. Dans le balai de bâtiment, nous avons dit hall, ou du moins nous dit grand bâtiment. Dans le balai de grand bâtiment, nous avons maison résidentielle, nous avons hôtel, nous avons maquette, nous avons magasin. Tout ça. Mais là, on parle de hall, nous pouvons faire comme si il y a un rapport, c'est-à-dire c'est une construction qui est de grande longueur mais, et de grande hauteur, mais de faible largeur. C'est-à-dire, nous utilisons un hall ou bien hangar, c'est plus là où on utilise la construction métallique, c'est-à-dire la construction en métal. Alors, ingénieur Félix, et généralement, nous avons en pile usine en Haïti, tant que Sonapi, qui sont parcs industriels, et nous avons quelques maisons, tout en comme maison ou une machine. Nous avons fait construction ça en métallique, mais c'est pour quelle raison qui fait plus faire en métallique au lieu de faire en béton? Bon, je vais vous question. C'est là de qui ça? Lorsque fait construction métallique, alors là, il n'y a pas une construction métallique totalement, nous avons une construction mixte. Okay. Raison, parce qu'ils ont utilisé béton là-dedans tout. Sauf que dans la structure qui est campée, on aurait fait la construction métallique, mais basale est préparée en béton. Mais là, si nous avons la construction métallique, c'est-à-dire c'est métal totalement. Mais nous avons plus de construction mixte. La raison qui fait faire ça, c'est parce que dans la construction métallique, là, il permet de gagner une grande portée. Les balles de grande portée, nous avons une largeur de 9 mètres, 10 mètres. Il n'y a pas de problème pour moi par rapport à suivant que je définis axe pour
pour bâtiment dans pour industrie là. Ça dit que ça. Ou après les réaliser construction comme ça, les fait grande portée là, ou après ils font sorte de treillis soudés en les ça dit c'est pour charger pour prendre tout chargeur qui va gagner aucun problème, il va pas aucune déformation pour empêcher construction de tomber ou pas. Ça dit l'aime parler si n'a pas une construction en béton. Il y a un homme qui dit ou pas supposé aller à 4,50 m suivant type de bâtiment comme ça tout va aller au-delà. Là ça au fond l'autre type de construction en béton. Mais construction métallique lui permet d'aller au-delà de ça. Ça veut dire qu'on peut aller plus, tout en respectant les normes, les principes, ça va pas aucun problème pour vous pour vous réaliser la construction là. Ok. L'autre question que je vais me poser, par rapport avec catastrophe naturelle, un bel exemple tremblement de terre, est-ce que il y a une grande différence ou bien un avantage construction métallique là gagner par rapport avec construction en béton? Bon, là, mon remercie pour question, c'est une très belle question. Je souhaite un peu de monde prêter attention à ça. Oui, ils sont un avantage. Raison. Parce que l'étape de construction en béton au-delà vers les années passées, tu vas te venir avec un cylindre pour te rester mieux en traction. Le béton reste mieux en compression, mais non pas en traction. Lorsque la construction en métal, un cylindre doit déformer, mais ne pas briser totalement. Ça va avoir une forte résistance, mon angle doit sauver la ville pour ça. Tout. Et la construction la mieux économique pour raison. Lorsque la construction en béton, on te met passé, il y a dommage le bâtiment totalement, ça commande pour casser le bâtiment complètement. Okay. Mais lorsque la construction métallique là, on peut seulement utiliser pièces qui faiblent, du moins qui déforment, ou remplacer par la pièce sans qu'on casser le bâtiment totalement. C'est-à-dire, le phénomène naturel a passé, la construction métallique là, après c'était mieux en construction en béton, parce que l'acier lui-même, c'est mieux en traction, même si tu as sous quel. Parce que force à l'air, force à agir, souvent on a un travail. Sous construction là, construction métal là, la peut résister mieux. Ok, ingénieur Félix, merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Et nous comptons, nous croyons, n'a pas prendre en pile de construction métallique. Par contre, si vous avez un dernier mot, tu as passé avec le public ou bien le monde qui va suivre nous. Bon, dernier mot, je vais vous passer parce que nous avons souhaité faire attention à ça que nous dit là et comme si ils font approche de vous. Parce que des fois, l'opportunité de négligence dans certains domaines, ça lui-même, lui, on permettre ou même ou mal comprendre ces débats de nous. Mais comme ça tout, à chaque fois que vous avez son domaine, il est mieux pour vous. Peut-être que vous n'avez pas votre négligence, comprendre mieux ça n'a dit et nous même nous avons essayé d'adapter un type de construction comme si il ne pas mettre dans un cadre comme si vous étiez restreint pour nous dire tel domaine par domaine nous, du moins si pas font rapport de tout ça. Non, à nous essayer de garder ensemble, monde qui connaît ce ça ne parle avec nous, essayer de comprendre l'analyse logique, poser questions, tout ça nous même pour nous avancer pour nous faire mieux gérer le pays nous. Merci. Merci à vous.